Hello tout le monde, on se retrouve pour le second épisode de Mario Kart Nintendo DS. On va faire la coupe, toujours la coupe, enfin la suite. Non. Merde. Donc en 50cc, on continue. C'est parti. On va changer un peu, on va prendre Mario. On va essayer de faire un perso différent pour chaque coupe quoi. On aura toujours l'occasion de les faire. Non. Je vais pas réussir à avoir 3 étoiles ici. Je pense qu'on peut avoir 3 étoiles maxi. Hein. On verra. C'est parti, désert soleil. Ah là là, oui, cette map. C'est quand même bizarre de revoir les anciens graphismes. C'est quand même vachement bizarre. Allez, c'est parti. Mario, on démarre. Ok. Luigi devant. On dérape. On n'a pas perdu la main. On va essayer de prendre un petit raccourci. Oh la musique, j'adore. On a gagné. Ouais, c'est pas fou non plus. Je me suis fait ralentir à la fin, mais. Ah, j'ai toujours cette habitude d'avoir le. Cliquer pour avoir le turbo sur les boss là. Enfin, les petits dodans. Je pense toujours qu'on est sur les consoles récentes, mais ça marche pas. Et pour l'instant on s'en sort bien. On se démerde. Plutôt facile. Ouais, Luigi quand même, pour une 50cc, il est quand même vachement rapide. Tiens. Voilà, vous l'avez vu sur l'écran du bas, il s'est pris la banane. Top, top. Bon, rien de difficile. Hein. Donc ouais, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai qu'ils ont... Oh, il y a des flammes. Ils ont réussi à faire... Je sais pas si la Nintendo DS a sa propre map. Enfin... Ce jeu a créé ses propres maps parce que ils ont repris à chaque fois pour chaque coupe un circuit de la NES, donc Mario Kart sur NES, un circuit sur Mario Kart GBA et un circuit sur GameCube je crois, et l'autre c'est sur Super Nintendo je crois. Donc, je pense pas que la DS a sa propre à voir. Et tu vois, enfin typiquement les Mario Kart anciens je les avais jamais fait, donc ça pourra avoir l'occasion de un petit let's play, ça me tente très bien parce qu'en vrai j'y avais jamais joué donc oula, j'ai mis la prendre. Bon, on a pas de carapace bleue là, je dis ça et je vais en avoir une, c'est ouais, donc c'est dans les nouveaux Mario Kart que les turbos en bleu là nous font accélérer. Là c'est que les oranges. Voilà, hop. On sent le progrès, hein, parce que c'est vrai que sur GBA, sur NES, c'est quand même assez hideux les graphismes. Bon, après, c'était à l'époque, donc forcément. Et là, on sent les progrès quand même sur DS. Voilà, top. Voilà, 10 points. Allez, circuit suivant. Oh, le quartier Delfino, j'adore son thème. Oh, je kiffe ce circuit. Je crois qu'il y a un raccourci assez... Mais bon, si on est premier, on n'aura pas le champignon, ça le problème. Mais je kiffais trop ce circuit à l'époque. Oh oui, oui. Noum de goudou, noum de goudou. Oh, j'adore. Oh, la nostalgie quand même de rejouer à ces jeux. C'est tellement un bonheur. Ouais, là on peut aller soit à gauche, ou il a eu le turbo là, ok. Je vais aller là, tiens. Tour d'après, j'irai tout droit. Tiens, prends ça. T'as pas été sage. Le raccourci, je crois qu'il est pas loin. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là, voilà, à droite. Vous l'avez vu. Regardez l'écran du bas et vous comprendrez. Hop là. C'est vrai que cette map, ils l'ont pas remis dans les nouveaux Mario Kart. J'aurais kiffé la revoir. Un petit remix et tout. Parce que là, à mon avis, le pont, ça aurait été un passage avec un deltaplane. Ils auraient pu. Franchement, ils auraient pu. Petit quartier Delfino. Non, non,
Hop là. J'espère que vous n'entendez pas mes bruits de manette. Ah, Luigi a une carapace rouge. Vas-y, balance-la. Merde. J'ai raté mon dérapage. Ok. Attention à la banane. Hop là. Et là il pourrait mettre un truc en plus, tu vois, s'ils font sur console récente. Oh non, une carapace rouge. Il va la balancer. Ouais. Dommage. C'est pas grave. J'ai trop d'avance. Checkons un peu. Ouais, voilà. Hop là. Bon là, attention à pas se prendre de mur. Hein. Un dérapage sur un mur vous fait stopper net. Le cube nulle part, je pense, une carapace. Oh merde, ah, c'était compliqué là. J'aimais trop faire ça moi avant, regardez. Regardez bien. Voilà, regardez l'écran du bas, il y a un cube quasiment et les gens vont croire que c'est un vrai. Bon là il est un peu mal placé, je l'ai mis un peu trop tard. Mais j'aimais trop faire ça. Top. On a géré ça de main de maître. Allez. Non, il y a le flipper wallu. Il y est. J'adore cette map. Vous allez voir. Il y a un thème qui est énorme. Oh, mais j'aurais... Parce que on la retrouve celle-là. Hein, sur les nouvelles consoles. Mais non. Oh, écoutez-moi ça. Hop là. Oh, j'adore. Et genre, ils l'ont fait sur DS. Ah, je m'en souvenais plus. Oh, j'adore. Allez, j'écoute. Attention à la boule quand même qui est vachement chiante. Bon, elle va tomber avant qu'on arrive à la fin. Voilà. Trois carapaces vertes pour Luigi. On gère plutôt bien. Je vais aller au milieu. On part du principe qu'on ne lasse. Ah, c'est dangereux. Voilà. Donc c'est vraiment un flipper quoi. Ah oui, il y a une carapace bleue. J'ai vu. C'est quoi pour la peine? Je vais les faire chier. Je vais mettre. Oh, j'adore. Hop là. Ah, je voulais pas faire ça. J'ai raté, je voulais activer la carapace avant de prendre le cube. Bon, c'est pas grave. Je vais en arrière. Je vais aller un peu à droite, tiens. Ça ne nous rend pas forcément plus safe. Après, la boule peut pas aller ici. Mais là, par contre, oulala, par contre, c'est mauvais. On arrive quand même à voir. Ouais, nickel. Les bananes, personne ne s'est pris des bananes pour l'instant. Hop là. Allez, c'est parti. Oh, la musique s'accélère, j'aime bien.
On est trop chaud. Trop stylé. Allez, je joue au milieu, je suis un bonhomme. Il y a deux boules. Ah, dur. Non. Iiii. Voilà, on a géré. Ok. Moi je continue. Corniche champignon. Ah, alors j'aime pas trop ces maps que des voitures, parce que les voitures quand vous les prenez, c'est chiant. Et surtout que, bah je vais vous montrer, mais... Ok, donc c'est dans cette map là qu'on a ce circuit. Enfin, dans cette coupe là. Ok. Dernière map du coup. Bon, après c'est pas compliqué pour autant, mais... Oh, la musique! Oh, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais? Ok. J'ai fait ça pour pas que le fantôme me les pique. Non, tu me dépasseras pas, Luigi. Voilà, en fait, là, si vous chopez une voiture sur un angle mort, c'est relou. Mais comment on a déjà pour avoir ce truc, j'avais oublié. Après au pire il y a l'écran du bas quoi. L'écran tactile permet de voir un peu ce qu'il y a comme camion et tout. Vas-y, balance ta carapace. Merde. J'ai fait nimp. Je voulais... Bon. Lui aussi il est con. Oh là, j'ai décéléré d'un coup pour qu'il se prenne la carapace. Il y en a encore une, hein. Voilà. C'est pour ça que je dégage, hein. Deux carapaces bleues. Coucou. Oh non, une carapace rouge. Fais chier. Bah tant pis. Mais la moi au pire, c'est pas grave. Voilà, c'est pas assez. Voilà, la banane, je la garde. J'ai pas envie de la lâcher la banane. Non. Arrête. Oh non, oh c'était beau. Là je pouvais rien faire. Je ne pouvais strictement rien faire. Il m'a... Ah, c'était beau à voir. Franchement, pour le coup, pour la vidéo, c'est pas mal. C'était magnifique, ce petit... Oh, oula. J'aime pas ces reculs, là, vraiment. Ok. Hop là. Attention au faux cube ici. Et on finit avec un petit dérapage turbo. Et voilà. Bon bah on a gagné, hein. Et normalement on débloque la prochaine coupe, je crois.
Allez, petite cinématique. Mario, Luigi, Toad. C'est beau. Petite coupe fleur, jolie comme ça, j'aime bien. Étoile. La coupe étoile a été ajoutée au Grand Prix Nitro dans cette catégorie. Cool. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là. Donc là, comme vous voyez, on a la coupe étoile. On va regarder ce qu'il y a, vite fait. Considérons qu'on prend Peach. Alpe DK, ok. Oh, le tic-tac est lié aussi dedans. Ok, Circuit Mario. Oh, le bateau volant! Oh oui, lui, incroyable. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 3 du Let's Play sur Mario Kart. Ciao, ciao.